C'était l'aube quand je naquis, comme un étrange oiseau sorti de sa coquille. Puis le soleil s'élève, mon père célèbre du bout de ses lèvres mon nom de clochard céleste. Avant de devenir picaflore, je fus colibri, je butinais l'inspiration au nectar de la vie. Oh, comme trois mangues, tout me semblait des mesures. Le ciel, un troupeau de moutons dans une prairie azur. L'imaginaire emmagasine ce qu'il ne peut étudier. La cime du goyavier, les racines du palétuvier. C'était toujours l'aube sur mon pays natal, allongé sur la natte, la tête dans les étoiles, scrutant les dégradés de couleurs et leur champ lexical, transi de froid en mitouflé d'un cyclone tropical. J'écris l'épitaphe des agonies nuptiales à l'encre d'un piaf, à la parure royale. Que ce soit ici ou ailleurs, y'a que l'amour qui prime. Que ce soit la plume ou l'épée, y'a que la pointe qui s'exprime devant le panthéon des grands. Je me demande ce qui me prend, montrant que je me sens ridicule, je rappelle Léon. Comme je le faisais remarquer, sur le plan visuel, nous avons très peu de choix au niveau de magazines, mais c'est déjà pas mal de pouvoir posséder un panel d'idées pour notre type. En fait, je pense que ce qui nous dérange, je pense qu'on est trop peu représenté sur le plan visuel, et pas que ces journaux-là, par exemple, dans celui-ci, il n'y a pas des choses intéressantes. Il n'y a pas de. Au niveau de la mode, culture générale, il y a des trucs intéressants dans ce bouquin, par exemple. Mais on n'est pas. Il n'y a pas de référent. Et quand on parle de nous, c'est du hors série. Hors série. C'est du hors série. C'est-à-dire que c'est exceptionnel. Spécial pour nous. Un visuel exceptionnel. C'est exceptionnellement beauté noire. Spécial. Donc c'est ça. Par exemple, nous avons Brune, dont l'appellation englobe toutes les femmes noires. Et ce magazine relève toutes les problématiques nous concernant, texture, comment s'occuper de nos cheveux, quel produit qui nous va à notre type de peau. Et la rédactrice est Marie-Jeanne Serbin-Thomas. Donc la première parution de ce bimensuel est en 1991. Voilà. Donc après, nous allons poursuivre toujours sur la problématique de l'image avec ce reportage. Et ce n'est pas seulement un problème qui concerne que la communauté noire ou afro, mais vraiment qui concerne tout le monde, le problème de l'image, l'impact de l'image dans notre société. On a la peau beaucoup plus lisse, on a des muscles plus saillants, des bourrelets en moins, et on transforme complètement une silhouette. C'est vraiment net sur la dernière dame. Ah bah là c'est exactement. Là c'est assez terrifiant. Et le résultat est évidemment plus bluffant. Enlever les retouches sur Damien Mouchy là, tout de suite, s'il vous plaît. Là c'est y avoir du boulot. Et justement donc le chercheur disait, qui s'appelle Annie Farid, améliorer une chose puis une autre et très vite. Vous retrouvez tous avec une Barbie. Alors, on va voir, et ça c'est aussi assez bluffant, que même chez les bébés, même chez les tout jeunes, c'est-à-dire que quand on montre une photo à ses amis, regardez ça, il y a même des retouches faites sur des nourrissons qui pour le coup n'ont rien demandé pour dire « Regardez, mon enfant est plus beau qu'un autre ». Il y a une espèce d'obsession, et c'est pour ça qu'ils ont créé aussi ce logiciel en disant « Stop, on arrête, la réalité c'est pas ça, c'est ce qui génère un complexe drastique et surtout ce qui génère aussi des problèmes alimentaires ». Les premiers qui avaient fait ça, c'est une publicité que je vous propose de revoir ensemble, comique. Vous allez voir les transformations opérées et vous allez voir que la réalité, avec ce qu'il n'y a pas que les stars hein, qui peuvent se transformer. Regardez. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you. All the better just to please you. She's precocious. And she knows. Voilà, l'avenir est à nous. Démonstration. Voilà, alors ce logiciel, justement, va. Là, ce serait un 5++ et permet de faire l'inverse. Alors,
pas d'enlever directement les modifications, mais en tout cas de noter le nombre de modifications qu'il y a eu. Et on en parlait même Britney Spears récemment. Il y a des stars qui commencent à dire « je refuse ». Évidemment, j'accepte les retouches, mais je refuse que cette image soit véhiculée, notamment Britney Spears. Tout à fait, parce que Britney Spears a eu le courage de suite à vitre, très récemment, de montrer une photo d'elle publicitaire où elle était retouchée et de publier à côté la photo réelle. Et je trouve que c'est admirable pour le groupe. Finalement, c'est faux pour aujourd'hui. Car la savane brûle, la saison est blanche et sèche, et mon cœur s'assèche dans le carquois de l'ange, pénurie de flèches. Je suis un homme de plein vent, et je rejette leur industrie. Je suis un nomade d'un nouveau temps, et ces paroles sont comme un cri, une note de Cora. À vos tours dans les nuages, la rosée du matin. Je voulais finir sur cette image, mais je me découvre un jour dans un monde qui fait mal, où les mots se frangent de silence, où la haine sinale, où l'on me réclame de me battre constamment. Il n'y a que deux camps, la victoire ou l'anéantissement. Ce nom n'a pas le goût d'une cacahuète à l'apéro. Il a l'odeur d'une conclusion des éditions Maspero. La contingence me détermine, il faut que j'y déroge. Oh mon corps, fais de moi un homme qui toujours interroge. De mes lectures adolescentes, les pages s'éparpillent. Puis j'ai la plume incandescente quand les yeux s'écarquillent. Je vis à la marge, par hommage au marronnage. Ma musique est créole comme un mélange d'aromates. Quand l'art est acculé et l'âme amoureuse, la prose devient vide, une armée miraculeuse. Si la révolte est une femme, je suis un jeune encore sage qui fantasme en ziotant les chancrures de son corsage. Les bêtes crachent la fumée, les cheminées d'usine. Ici, c'est la zone zombie, y'a des trous dans l'ozone, les palmiers décapités et les ciels de faubourg. Chavirés dans ma pirogue, j'ai le lyrisme de Flaubert. Mon flair et mon flow, inspiré par poids des peines et ma couleur de peau. Fermentant douleur et peine, moi j'aimerais vivre ivre de musique et de poésie. Mais ma peau ici me rappelle le nécessaire de la réussite. Je me montre rationnel et trop pragmatique. Mais comme René de Pestre, je suis un nègre belle et romantique. J'ai pleuré l'Holocauste et nos moments graves. Exilé nègre marron dissimulé dans la mangrove. Mais y'a que mon groupe qui me soigne, me saigne les veines. Je suis chez moi comme la médisance et chez à la Jacquemelle. Ma pensée n'est qu'universalisme. Aujourd'hui j'ai rien et je veux naître martiniquais. Et je veux mourir algérien.